La CAN, tout d'abord, la Coupe d'Afrique des Nations de football avec la victoire du Maroc hier face à la Zambie. Victoire 1-0 et qui permet aux Lions de l'Atlas de terminer premier de leur groupe avec 7 points. Une victoire qui fait d'autres heureux. Les Ivoiriens, hôtes de la compétition, qui obtiennent leur ticket pour les huitièmes de finale. À San Pedro en Côte d'Ivoire, notre envoyé spécial Fouad Hanaoui. Joie jumelée et partagée hier au stade Laurent Poco, ici à San Pedro, par des supporters marocains, heureux d'obtenir une deuxième victoire, cette fois-ci face à la Zambie, 1-0, ce qui lui permet d'occuper la première place, et joie encore plus grande pour le public ivoirien, joie immense d'atteindre les huitièmes du final comme meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc. Un public ivoirien complètement déchaîné et qui remercie le Maroc de lui permettre d'atteindre une qualification qui paraissait comme un mirage. Et j'ai dit merci au Roma, merci pour tout ce qu'il fait pour la Suisse aérienne au Maroc. Et je le remercie et longue vie à sa majesté le roi Mohamed VI pour tout ce qu'il fait pour la communauté ivoirienne là-bas aussi. Et je suis venu uniquement pour supporter le Maroc et mon pays, la Côte d'Ivoire. Ouais, on dit merci Maroc, on dit merci. Oui. On est très content. Vraiment la joie et le bonheur. Vraiment félicitations à les Marocains. Et puis merci à tous. On a aimé. Le Maroc nous a offert du bon football. Sans véritablement briller donc, le Maroc glane les 3 points de la victoire et ce, en l'absence de 3 joueurs titulaires, tels Salim Amellah, Nseri ou encore le capitaine Romain Saïs, remplacé par Younes Abdelhamid, plutôt satisfait des rendements des Lions. Voilà, c'était un match important, il fallait chercher la première place. Alors, on a fait le travail, donc c'est bien, on montre qu'on est un groupe, qu'on est une équipe. Donc maintenant, on va se focaliser sur la suite. Le Maroc se ferait donc un chemin en 8e de finale, où il croisera le fer mardi prochain avec les Bafana Bafana sud-africains. Fouad El Hanaoui à San Pedro, en Côte d'Ivoire pour Média.